Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة. والسلام. على رسول الله. أما بعد. Ça va les enfants? Donc aujourd'hui nous sommes avec la page 26. Et il est marqué, avant de commencer quoi que ce soit, il faut dire Bismillah. Bismillah. C'est-à-dire que cette parole magnifique, le fait de dire Bismillah. Qu'est-ce que ça veut dire Bismillah? Oui, Mohamed. Au nom d'Allah. C'est-à-dire que si tu manges et tu dis Bismillah, ça veut dire tu manges au nom d'Allah. Si tu bois et tu dis Bismillah, c'est-à-dire tu bois au nom d'Allah. Très très bien. Si tu dis Bismillah, le shaitan ne mange pas avec toi. Donc, si tu manges et si tu bois, ou quand tu sors ou quand tu rentres, tu dis Bismillah, c'est-à-dire Bismillah au nom d'Allah. Ici, tu demandes l'aide d'Allah. Retenez les enfants. Le fait de dire Bismillah, c'est une demande d'aide à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu demandes de l'aide à Allah, azza wa jal, dans ce que tu fais. Donc avant de lire le Coran, on dit Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim, on demande à Allah de nous aider. Avant de manger, avant de boire, avant de faire toutes les bonnes choses, on dit Bismillah. Comme le disait Omar Ibn Abi Salama, il dit, j'étais un jeune garçon. Un jeune, comme Hamza, comme Mohamed. Comme Hamza. Un jeune garçon. Et vous savez, ce jeune garçon, il était dans la maison de qui? Dans la maison du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, t'es dans la maison du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu à manger. Et il a commencé à mettre ses mains partout. Il a mangé là, il a mangé là, il a mangé là, il a mangé là, il a mangé là. Ses mains baladaient partout dans le plat. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Ghulam, Sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Répétez, Ya Ghulam, Sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Il lui a dit, Ya Ghulam, ô jeune garçon. En arabe, un jeune garçon, on appelle un roulem. Quand sa barbe, elle ne pousse pas encore. Comme nos jeunes garçons qui sont là, vous êtes des roulem. Hamza, t'es un? Mohamed, t'es un? Hamza, tu es un? On a deux Hamza et deux Mohamed dans la classe. Il y a quatre garçons. Et on a deux Maïssa. Et deux Maïssa, mashallah. D'accord. Donc il lui a dit, oh roulem, oh petit garçon, Sammillah. Qu'est-ce que ça veut dire, Sammillah? Oui? Non, dis Bismillah. Dis Bismillah. Wa kul bi yaminik. Et mange avec ta main droite. Levez votre main droite. Non, la main, c'est pas celle-là. Très bien. D'accord? Celui qui connaît pas sa main droite, il vient, je vais lui. Venez me voir, chacun son tour. Et je vais vous donner quelque chose pour retenir. Voilà, regarde, toi, t'as un grain de beauté. C'est sur quelle main celui-là? Sur la gauche, donc tu sais que ta main droite c'est l'autre. Celle qui n'a pas le gain de beauté. Très bien, donc toi tu regardes, c'est à cette main, c'est à ta main droite que tu as un grain de beauté. Donc vous repérez, d'accord? Vous repérez quelque chose sur vos mains et comme ça vous allez savoir. Donc il lui a dit, Sammillah, mange avec ta main droite, dis Bismillah, wa kul bi aminik, mange avec ta main droite. Wakul mimayalik et mange ce qu'il y a devant toi. Tu ne dois pas manger un petit peu partout. Tu dois manger ce qu'il y a devant toi. Et là, on peut bien voir une chose importante, les enfants. Les enfants, retenez que le prophète Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunnah, il nous a tout enseigné. Comme Allah Azza wa Jal dans le Coran, la religion, elle est parfaite, elle est complète. Tout l'islam, il nous a tout enseigné. Même la manière de manger. Et là, on peut bien voir dans ce hadith, on dit seulement Bismillah. On ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de manger. On dit simplement Bismillah. Bismillah. D'accord ? Donc avant de manger, qu'est-ce qu'on dit ? Bismillah. Et si on a oublié de manger ? Si on a oublié de dire Bismillah avant de manger, on oublie rarement de manger. Mais si on oublie de dire Bismillah et on s'en souvient, qu'est-ce qu'on dit, Sophia ? Alors très très bien, on dit Bismillah au début et à la fin, mais il est important de le dire en arabe. Ça c'est en français. En arabe, comment on le dit ? Donc tu l'as appris en français, Sophia ? C'est très bien, maintenant tu vas l'apprendre en arabe aujourd'hui, d'accord ? On dit, répétez, Bismillah awwala wa akhira. Allez, on apprend maintenant, c'est facile. Trois mots. Bismillah awwala wa akhira. Bismillah awwala wa akhira. Bismillah awwala wa akhira. Qui l'a connu ? Qui l'a appris ? Vas-y, viens. On t'écoute. Ah, c'est pas wa ala, c'est awwala. Très bien. Bismillah awwala wa akhira. Et si tu continues, tu dis bismillahi awwala huwa akhira. Hamza. Bismillahi awwala wa akhira. Oui, Zahra. Non, awwala. Très bien. Oui, Hind. Très bien. Mohamed. Awwala wa akhira. Oui, Rahma. Très, très bien. Hamza. Awwala wa akhira. Très bien. Oui, Mohamed. Awwala wa akhira. Très bien. Oui, Maïssa. Wa akhira. Oui. D'accord, donc on reprend. Bismillah awwala wa akhira. Bismillah awwala wa akhira. Continuez. Bismillah wa awwala wa akhira. Bismillah wa awwala wa akhira. Non, c'est pas wa awwala, c'est awwala wa akhira. Bismillah awwala wa akhira. Bismillah. C'est compris? D'accord les enfants, est-ce que c'est compris pour ça? Donc on répète. On répète le hadith qu'on a cité tout à l'heure et on répète l'invocation qu'on a appris. D'accord ? Ya Roulam. Ya Roulam. Samillah. Samillah. Wa kul bi yaminik. Wa kul bi yaminik. Wa kul mimma yalik. Wa kul mimma yalik. Ya Roulam. Ya Roulam. Samillah. Samillah. Wa kul bi yaminik. Wa kul bi yaminik. Wa kul mimma yalik. Ya Ghulam, Samillah, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Très bien. Et quand on a, avant de manger, on dit Bismillah. Et quand on oublie de dire Bismillah, dès qu'on s'en rappelle, on dit Bismillah awwalahu wa akhirahu. Ou si tu t'arrêtes, Bismillah awwala wa akhira. D'accord les enfants ?